Invité de chez Jordan, ce jeudi 26 janvier 2023, l'ancien champion des 12 coups de midi, Paul El Rarat est revenu sur son contentieux avec Jean-Luc Reichmann. Paul El Rarat toujours en froid avec Jean-Luc Reichmann? Ce jeudi 26 janvier 2023, l'ancien grand champion des 12 coups de midi était l'invité de chez Jordan, sur C8. L'occasion pour le jeune homme d'évoquer son nouveau livre, dans lequel il se livre sur les difficultés engendrées par le syndrome d'Asperger dont il est atteint, sa vie sentimentale, mais aussi de revenir sur ses propos sur l'animateur de TF1. En octobre dernier, il avait effectivement fait une sortie très remarquée dans les colonnes de Téléstar, assurant « Pourquoi serais-je ami avec Jean-Luc Reichmann ?» Cela fait près d'un an qu'on ne s'adresse plus la parole pour toutes sortes de raisons que je ne dévoilerai pas. Je n'ai pas de contact ni direct, ni privilégié, avec cet homme. Il y a peut-être eu un contentieux, une surprise, voire un choc, pour tous ceux qui avaient suivi le parcours du maître de midi. Face à Jordan de Luxe, il accepte d'en dire un peu plus sur cette curieuse brouille. Je ne trouve pas ça négatif de réaffirmer que nous ne nous sommes pas parlé depuis plus d'un an. Si est-il la vérité, a-t-il commencé avant d'admettre tout de même, il n'y a rien de gravissime entre lui et moi. Je n'ai pas de problème, il y a peut-être eu un contentieux. Au fur et à mesure que le temps va passer, ça va rentrer dans l'ordre. Si est-il personnel, a-t-il affirmé, sans en préciser davantage sur l'origine des tensions avec Jean-Luc Reichmann, dont il était pourtant très proche à sa sortie de jeu. Je l'apprécie, mais si est-il vrai qu'il y a eu des soucis, Paul El Rarat profite aussi du micro de chez Jordan pour se défendre face à ceux qui l'ont attaqué. On m'a évidemment dit, ce sont les gens qui ne comprennent pas et sont ignorants, que je suis ingrat parce que j'osais critiquer l'animateur qui a permis que je sois connu. Si est-il quand même excessif de leur part et ils n'ont pas tous les compléments d'information. Point, je l'apprécie, mais si est-il vrai qu'il y a eu des soucis, rétorque le jeune homme qui se dit tout de même prêt à pardonner et à se rapprocher de Jean-Luc Reichmann, à nouveau. Reste à savoir si ce souhait est partagé. À lire aussi, Paul El Rarat dévoile le salaire qu'il touche dans les grosses têtes, et révèle combien gagnent les chroniqueurs les mieux payés.